Vous savez, j'ai longuement hésité à faire cette vidéo. D'une part, car je sais que donner son avis sur un album aussi clivant, c'est souvent une mauvaise idée. J'ai vite regretté ma pique sur Utopia dans la dernière vidéo. Mais en plus, là, on s'attaque à l'idole d'une des fanbases les plus dévouées du rap francophone. Donc je préviens tout le monde avant que ça dégénère. Ce que je veux dire là, comme d'habitude, ça n'engage que moi. Si on n'a pas le même avis, c'est pas grave. Au contraire, ça pousse à l'échange et honnêtement, c'est tout ce que je recherche. On va juste essayer de comprendre ensemble pourquoi La Vie en Violet d'Ateyaba a été aussi mal reçue par une grande majorité d'auditeurs et surtout tenter d'expliquer toutes les bonnes choses à retenir de cet album si particulier, que ce soit par son contexte, son ambiance magistrale ou ses multiples sonorités inédites. Alors allons-y, La Vie en Violet, c'est maintenant. Dire qu'Ateyaba est en avance sur son temps, c'est une facilité que j'aurais préféré éviter, je vous jure. Mais force est de constater que ses projets ont toujours tardé à être reconnus à leur juste valeur, que ce soit par le public ou par la critique. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils ont influencé de façon significative la direction d'une bonne partie des artistes de la scène francophone. C'est le cas depuis Kyoto et Tokyo, en passant par son premier album éponyme, qui sont des classiques de leur époque. Mais ça va aussi jusqu'à Space Pack et Infiniga, qui nous a offert un peu plus récemment. Je pense à comme Fanta la tour, suce-moi, je vais pas te faire la cour. Moi, alias, je l'aime comme ma tasse. Pour que je déplace, faut qu'on me ralasse. Gros stack plus grosse qu'un atlas. Plus rond qu'un atlas. T'inquiète pas pour demain. Sur mon compte, y'a de la place. Un marathon plus que réussi, qui a donné vie à plusieurs courants musicaux, mais qui a aussi marqué par l'absentéisme de l'artiste. Ateyaba, c'est un peu un gourou qui apparaît et disparaît une fois de temps en temps sans trop prévenir personne, pour apporter sa vision artistique unique à qui veut l'entendre, ou déblatérer quelques takes douteux sur les réseaux. Bref, c'est une véritable icône du rap français, jusque là on est d'accord. Par contre, dire je veux pas me sucer la bite mais j'ai sorti le meilleur album cette année worldwide, en parlant de La Vie en Violet, cette fois il s'agirait de doser, ou au moins de faire attention. Même si j'aime énormément le projet et que c'est littéralement un de mes coups de cœur de l'année 2023, il peut pas objectivement affirmer ça, aussi présomptueux soit-il. Après, c'est certainement pas le public qui le fera, vu le nombre hallucinant de gens déçus ou qui ont hate sur le projet. Donc finalement, il a pas trop le choix de le faire tout seul. Et après tout, si lui, il croit en la qualité de son projet, même après toutes les critiques carrément gratuites, c'est le plus important. Mais au fond, je pense que c'est juste une provocation de plus en guise de promo, qui est vraiment typique de l'artiste. C'est marrant, au moins il se fout de la gueule des gens qui crachent sur sa musique, et il le fait de la manière la plus insolente possible. C'est raccord avec le personnage. Mais avec ce tweet, je pense qu'il se rend pas tout à fait compte d'à quel point ça a irrité les gens. Parce qu'en effet, à force de nous faire patienter, il y a une attente gigantesque qui a grandi autour de La Vie en Violet, qui n'est autre que l'héritier présumé d'Ultraviolet, censé sortir depuis plus de 5 ans déjà. C'est certainement l'un des premiers facteurs qui a déçu son auditoire, puisque La Vie en Violet est tout sauf l'album que les fans attendaient depuis tout ce temps. Une sorte de frustration s'est alors doucement installée, une sorte de ras-le-bol qui décourage l'auditeur avant même sa première écoute du projet. Et quand son public est tombé sur un morceau comme Pokéball au fil de leur découverte, je peux comprendre que ce soit la goutte d'eau qui fasse déborder le vase. Et le fait qu'on n'ai pas envie de réaborder l'album positivement. Dans ma suite, y'a plein de bitch. Dans ma suite, y'a plein de bitch. Tour du C, un bangus. Souffle, un cumulonimbus. Normalement, avec un son pareil, vous devriez déjà avoir envie d'insulter toute la famille d'Ateyaba en commentaire. Mais attendez encore un peu, je vous jure que c'est une exception. Faut l'avouer, il y a des morceaux sur l'album que j'ai encore beaucoup de mal à écouter aujourd'hui. Des morceaux qui, je trouve, n'ont pas leur place dans la tracklist et qui nous sortent un peu de l'ambiance éthérée de La Vie en Violet. Je suis personne pour dire ça, mais s'il y a bien une critique que je peux apporter, c'est que l'album aurait peut-être gagné à être raccourci un petit peu pour conserver cet univers vaporeux tout au long de l'écoute et éviter d'en sortir trop brutalement. Sérieusement, l'ambiance, elle est folle. C'est à la fois hétéroclite et uniforme, et ça nous plonge dans une couleur musicale propre à Ateyaba que j'ai du mal à retrouver ailleurs. C'est presque une expérience sensorielle qui nous malmène un peu, c'est vrai, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Le plus important c'est time, hey. Quand couverture du time que je peux acheter time, yeah. Tout ce que tu peux faire avec un young nigga. Viens faire des affaires avec un young nigga, bitch. C'est cliché, mais j'ai l'impression de l'aimer un peu plus à chaque fois que je pose l'oreille dessus. Comme à chaque projet d'Ateyaba en vrai. Certains morceaux commencent à sonner comme des petits classiques de ma discographie, et même Pokéball, moi au final, il me choque même plus. Carrément, je l'écoute banal. Certains détracteurs diront que c'est à force d'écouter de la merde qu'on s'y habitue, et ces gens-là, j'aurais du mal à les faire changer d'avis. Mais l'abnégation, ça a du bon parfois. Bref, du coup, mis à part l'attente démesurée de son auditoire, qu'est-ce qui a pu pousser autant de monde à renier le projet, voire à le détester viscéralement? Dans les faits, il y a forcément un truc qui bloque musicalement, non? Même au-delà de Pokéball. La première critique que j'ai pu observer à la sortie de l'album, c'est tout ce qui est lié au mix de celui-ci. Et c'est tout à fait compréhensible que ça ait surpris, parce qu'Ateyaba a décidé de placer quasiment au même niveau ses pistes de voix, les prods et les bacs. Et on se retrouve avec un résultat qui peut sembler chaotique au premier abord, sans qu'on sache vraiment vers quelle sonorité s'accrocher pour suivre les mélodies. Mais une fois la phase de découverte passée, on se rend compte que tout fonctionne trop bien ensemble. Baby, she out. Il faut que je vois le sky, hein. Il me faut un trio, hein. Il me faut des cat's eyes, hein. Jeune griot, tout en or comme ces trois pio, 24
Suce la bitch, fais pas de la philo. Évidemment, quand t'es habitué au mix propre et net des projets mainstream, ça va heurter l'oreille pour de vrai. C'est vraiment un style qui diffère du son qu'on a l'habitude d'entendre partout. Mais on peut pas dire que La Vie en Violet a un mauvais mix. Parce que déjà, un mauvais mix à ce niveau-là, ça existe pas vraiment. C'est soit t'y es sensible, soit t'as aucune appétence pour les propositions différentes. Voire aucune notion de mix du tout. Les DA et les ingestions spé Twitter, on vous voit, hein, ça sert à rien de vous cacher. Non, plus sérieusement, pour les personnes qui n'ont que cette critique pour descendre l'album, je tiens à souligner qu'il a été en partie mixé et masterisé par la légende Anthony Kilofer, l'ingé son d'artistes comme Kanye West, Kid Cudi et Travis Scott, entre autres. C'est donc un mix bien réfléchi auquel Ateyaba a rajouté sa patte pour coller à la vision artistique qu'il avait de La Vie en Violet. Le travail de Kilofer a donc permis de créer un son à la fois limpide et puissant, mettant en avant les paroles crues du rappeur et les mélodies singulières de chaque morceau. Un mix un peu crade et des mélodies parfois traitées sans autotune qui nous rappellent vraiment certains projets underground des années 2000-2010. Ce qui rejoint parfaitement la DA Y2K de la cover d'ailleurs. On se retrouve avec une ambiance à la fois datée et futuriste, qui nous plonge dans un vertige particulier et première raison de la réception difficile du projet. Sur le morceau Auréole par exemple, Ateyaba préfère mettre en avant la pureté de sa voix empreinte de fausses notes, et ce, sans aucun complexe. J'adore cette esthétique qui se retrouve chez beaucoup d'artistes anglophones, donnant vie à un morceau qui surprend par la beauté du naturel et de la réalité, sans retouche superflue. Sur le dame, mais j'ai mis un flash sur le crâne. Je trouve que ce morceau est l'un des meilleurs exemples de ce qui a divisé dans le mix de La Vie en Violet, qui est en réalité plus brut et sincère que beaucoup de projets que j'ai entendus cette année. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'Ateyaba fait pas ça par paresse, mais plutôt pour ancrer encore un peu plus cette ambiance aux sonorités étranges qui me rappelle les heures les plus libres de l'artiste, et pour plonger ses auditeurs dans un malaise artistique qui va les marquer à tout jamais. Et en s'entourant de producteurs disruptifs avec qui il n'a que rarement travaillé, comme les américains Variety, Flancy ou encore le néerlandais Milanesi que vous avez peut-être déjà entendu aux côtés de Serran, bah il renforce ce sentiment d'inhabituel vis-à-vis du reste de l'industrie, ou même de son œuvre passée qui était déjà assez extraordinaire. Exit les ténèbres attendues sur Ultraviolet, place à des mélodies ambiantes, parfois presque enfantines, et aux basses monopolisant l'espace sur La Vie en Violet. Une production spéciale entre plug, rage et toutes sortes de sonorités inclassables. Seul Freaky est resté fidèle au poste, chapeautant le projet et conservant une partie de ce qui fait la figure d'Ateyaba depuis des années. Il a assuré une continuité sous-jacente apposée aux explorations musicales du rappeur, à commencer par Shenron au début du projet, qui nous permet de retrouver les 808 et les refrains nonchalants propres à Ateyaba. Ateyaba se sert donc de l'expérience de tous ses producteurs de renom pour apporter une couleur nouvelle au paysage français. Encore une fois. Effectivement, c'est un son qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en France. Ateyaba est toujours au contact des influences qui lui ont permis, dès le début de sa carrière, de se placer comme un avant-gardiste et comme le créateur d'une musique à part entière que lui seul maîtrisait. Il est tout simplement dans son monde, quasiment seul à performer sur les sonorités inédites de l'album. En effet, si pour la production de l'album, Ateyaba a multiplié les connexions, parmi les 17 titres qu'il compose, on ne retrouve qu'une seule collaboration avec un rappeur. Mais attention, pas avec n'importe qui, mais bien avec Young Nudy, qui a d'ailleurs grave respecté le morceau Ghana. Et si en premier lieu, on peut être désarçonné par énormément de ses performances sur le projet, personnellement je peux que féliciter Ateyaba de réussir à poser sur des productions aussi inhabituelles. 24 carats, c'est ma momie, elle fait un beau job, pas besoin de lui faire un travail. Je l'ai assommé, Rolex c'est pas donné, je fais pas de baiser, passionné. Tu craches dans la bouche, elle se délecte, elle lave, elle dit que c'est yummy. C'est des rythmes particuliers qui font écho à la vibe générale du projet, et on se rend compte que peu de rappeurs sont capables d'être à l'aise là-dessus. En plus de ça, c'est con à dire, mais les textes et les thèmes bêtes et méchants qu'il aborde au fil de La Vie en Violet, moi ils me galvanisent pour de vrai. Depuis toujours, Ateyaba c'est un des seuls qui arrive à se rapprocher aussi fidèlement de l'ego trip carry, notamment par son rapport au sexe, à l'image ou à l'argent, qui retransmet à merveille son ego surdimensionné. Quand t'écoutes l'album, même avec un peu de second degré, tu te sens vraiment surhumain. Tu t'associes facilement au personnage et à son discours, et avec ses prods qui prennent tout l'espace sonore, on a presque le sentiment d'écouter une BO de film ou d'être nous-mêmes dans un clip. Baby, je me sens majestique, I feel like it. On dirait que ta tasse me lastique, fais de la gymnastique. Je me sens comme Morris Isley, I feel like it. Je me sens comme un dieu in the street, I feel like it. Plus économe en mots, plus mélodique et se rapprochant par moments du mumble rap, cet Ateyaba là n'a donc plus grand chose à voir avec le joke de l'époque. Le public attendait bien un Ateyaba, mais ils attendaient juste pas le bon. La rupture semble être totale, et dans quelques-unes des expressions qu'il utilise, on se heurte à des anglicismes qui le rendent presque difficile à comprendre pour les non-initiés. Ateyaba avait d'ailleurs prévenu que ce serait le dernier album qui sortira en français, et il a même parlé de son désir de quitter la France pour continuer à faire de la musique, bien qu'il soit pas vraiment sûr que ce soit toujours du rap. Et on le comprend, en abordant plusieurs styles qui sont parfois bien loin de l'idée qu'on se fait du rap, il a réussi à éviter la redondance qui ternit tellement d'autres projets. Cette profusion de flots différents peut aussi expliquer pourquoi La Vie en Violet a autant dérangé le public, qui, hormis quelques niches, est trop exposé à des albums linéaires, lissés et sans grande transcendance. Il s'est toujours affiché comme un explorateur, et on peut pas s'en plaindre car son positionnement n'a visiblement pas changé. Lui-même, il doit commencer à comprendre que ses projets ne seront compris qu'après coup. Et il nous a montré qu'il s'en moque, clairement. Je suis de Murakami, un designer, c'est mes habits.
sur les cailloux. Oui, bitch, tu ferais depuis jadis. Oui, bitch. Avec La Vie en Violet, Ateyaban ne deviendra pas ce que beaucoup l'imaginaient devenir avec Ultraviolet. Ce dernier album semble plutôt ressembler à un dernier baroud d'honneur isolé du reste de sa discographie, et qui résonnera davantage chez les nouvelles générations que les acteurs actuels du rap francophone. On compte plus les références et les influences inavouées des titres de Joke presque 10 ans plus tard, et cet album audacieux n'aura certainement pas le droit à une lumière immédiate non plus. C'est néanmoins impossible qu'on puisse oublier La Vie en Violet maintenant, car cet album est tout simplement trop spécial pour qu'on s'en souvienne plus. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste d'ailleurs. Il s'agit maintenant de voir comment va mûrir le projet, et de voir si Ateyaba avait encore raison trop tôt, ou si c'était la dernière fois qu'il essayait de feindre son avant-gardisme. D'abord très critique, les retours sur l'album ont petit à petit évolué au fil des réécoutes, preuve de la capacité qu'a Ateyaba à bousculer, mais aussi à emmener son public dans son univers, quoi qu'il en coûte, laissant les mélodies parler à sa place. L'enfer nous est, c'est pas acceptable. Je crois pas cet homme, je crois pas cette femme. Je suis la lumière, je suis inarrêtable. Je suis la lumière, je suis inarrêtable. Quand je prends le mic, j'ai des eurécas. Quand on m'approche, elle est balèze. Quand je suis oublié, je suis à l'aise. La concus, j'ai de la falaise. À ça, certains diront qu'il y a trop de complaisance envers l'artiste, juste parce qu'il représente quelque chose de spécial et qu'il est mis à tort sur un piédestal. C'est pas forcément faux. Faut pas oublier que c'est un album attendu depuis une dizaine d'années, un retour qui semble finalement un peu léger au vu de l'attente et du mystère qu'il a essayé d'entretenir autour de La Vie en Violet. On ressent bien, de toute façon, que la recevabilité du projet est mise au second plan par Ateyaba. Ce qui est pas forcément une mauvaise chose pour un des derniers rappeurs en quête de réelle liberté artistique, mais j'ai bien peur d'y voir un narcissisme mal placé, voire d'une pointe d'égoïsme vis-à-vis des gens qu'il soutiennent et l'attendent depuis tout ce temps. Cela dit, je salue le fait qu'il ne prenne rien d'autre en compte que sa propre vision et ses envies. Vraiment, je trouve ça admirable. Je suis déçu de pas en avoir eu un peu plus, c'est vrai, et finalement, maintenant que j'ai vu le projet vieillir, je me rends compte qu'on a été pas si mal servi quand même. Mais au-delà de toute analyse, je suis surtout content d'avoir pu entendre un nouveau projet d'Ateyaba après tout ce temps. J'y croyais plus vraiment, et le fait qu'il fasse l'objet de toutes les exagérations montre que l'artiste sait toujours autant déchaîner les passions, et parfois pour des raisons aussi abstraites que l'album lui-même. Je suis en fire, bang bang, sur un croyant, bang bang. Je suis le fit à 25, parce qu'on voulait dire à 25. Laisse taper les gens, hein. Laisse taper les gens en l'air. Lève ta bejon en l'air, lève ta bejon en l'air. Malgré tout, ce que j'aime ou non, c'est pas un argument. Je suis prêt à parier que personne n'a les mêmes titres en tête quand il s'agit d'échanger sur les morceaux qu'ils ont préférés. Et pour tous ceux qui sont restés sur leurs appréhensions, leurs dégoûts, ou qui n'ont tout simplement pas sauté le pas, je vous invite vraiment à retourner vers le projet pour vous faire une seconde idée de La Vie en Violet. En oubliant vos a priori, je peux vous assurer qu'il y a au moins un ou deux sons qui vont vous passionner, et pourquoi pas vous ouvrir vers l'entièreté de l'album. D'ailleurs, comme pour rassurer l'auditeur après une première écoute perturbante, La Vie en Violet se conclut sur un morceau à l'ambiance totalement différente, qui peut aussi déconcerter une dernière fois les quelques courageux qui seront allés au bout de la tracklist. Solaire, produit par JC et porté par le sample de Manzanita de Bobby Hutcherson, laisse l'artiste rapper avec les tripes et évoquer son passé. Un morceau exceptionnel qui saura convaincre les fans d'un rap plus classique, montrant qu'au final, il n'y a pas grand chose à détester à propos du projet. De quoi se réconcilier en douceur avec La Vie en Violet, avant d'en comprendre toute l'essence quand on relancera l'album, tôt ou tard. Je sens comme diptyque, les danseuses me kiffent parce que je type. La belle de l'oseille irrésiste. Type. Et savent compter les jambes négres à un beat.